résumé vous est présenté par Heineken et Hotel.com, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. À plein pour Jocelyn Gourvennec et les Lillois. 4-2-3-1 pour Marc Van Bommel et Wolfsburg. Il connaît. Oh, qui glisse ce ballon à David. Bourak Yılmaz peut-être. Mbappé qui n'a pas pu repousser. Il a tenté sa chance à l'entrée de la surface de réparation. Jonathan y connaît, mais ça manquait de clairement de puissance. Il va frapper fort devant le but, certainement. Bourak Yılmaz, c'est ce qu'il fait. C'est le premier poteau qui a été visé. Arrêt de Kuncastels qui met ce ballon en corner. Je pense pas que c'était cadré. Jonathan David, encouragé par le peuple lillois. Il est passé David. L'avantage qui a été laissé avec le centre pour Bourak. En déséquilibre. Il n'est pas parvenu à mettre la puissance qu'il fallait. Parce qu'il était déjà au sol quasiment hein, lorsqu'il a tenté sa chance, Bourak Yılmaz. C'est Lille qui tient le ballon. Çelik. Et ça revient sur David. La frappe de Jonathan David. Ça passe à côté du cadre, accompagné par Kuncastels, du corps et du regard. Le coup franc frappé par Tcheka. Allez, il y a un deuxième ballon à gérer là pour les Lillois. Avec José Fonte. En retrait pour Reynildo. Angel Gomez pour la frappe lointaine. La frappe d'Angel Gomez qui passe à côté du cadre. Angel Gomez. Oh, ça passe pour Jonathan David là. Jonathan David, ouverture du score. Le premier but de ce match est inscrit par Jonathan David. Ça fait un but à zéro pour le LOSC. L'ancien pensionnaire du championnat belge qui permet à Lille de prendre l'avantage dans ce match. Danny McAulier en discussion avec ses assesseurs. Alors, y a-t-il une faute au préalable, une position de hors-jeu? On va surveiller ça de près tous ensemble. Peut-être que ce ballon était sorti. Et oui, il était sorti entièrement ce ballon. Et on voit une équipe de Lille qui existe hein, dans ce rendez-vous de Ligue des Champions. Mais attention, faut pas se faire piéger! La frappe de Maximilian Philippe! Alors que ça commence à se tendre. On parlait de tension, de choses qui n'allaient pas. Et là, il y a un deuxième carton jaune. Deuxième carton jaune pour John Brooks qui est exclu. Carton jaune pour Jonathan Ikoné. Ce match qui prend une toute autre tournure là avec l'exclusion de l'Américain. Avec la frappe! Frappe de Jonathan David. Stoppé par Kuncastels là, assez brillamment. Ça monte en température à Pierre Mauroy. Avec la déviation de Benjamin André. Oh, à bout portant. L'arrêt à bout portant de Kuncastels face à Bourak Yılmaz. Ils sont sur la jante là, les joueurs de Wolfsburg. Ils défendent à 10.
Il y aura peut-être une dernière opportunité pour les nordistes. Liadji avec Onana, il a été accroché. Il a été accroché, c'est penalty. Mais ça mérite un autre coup d'œil, c'est à l'extérieur. C'est un coup franc. Confirmation, c'est un coup franc. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et Hotel.com, sponsor officiel de l'UEFA Champions League.